Bonjour mes petits camarades, me voici encore dans les bois aujourd'hui, de bonne heure, parce que il fait chaud l'après-midi, je préfère y aller le matin. Hein. Et là je suis au-dessus de l'Agir. En fait l'Agir ça se trouve au-dessus de Tillet. Alors en fait ça grimpe encore, là on croit qu'on arrive sur du plat et pas du tout. Hein. Regardez comme c'est joli ça. Alors comme vous pouvez le constater, je ne choisis pas les chemins les plus faciles à pratiquer. Mais ce sont souvent les plus beaux. Bon, moi je vais continuer mon petit chemin en face. Voilà mon petit chemin. Avec mes petits oiseaux qui chantent, vous les entendez. Et je continue par là. Vous voyez tous les insectes qui volent. Je vais redescendre sur Roquelatour en passant par là. Bon, là, il y a visiblement des enculés mondains, je dis bien mondains, qui ont tout détruit. Il y avait une table, il ne reste plus que les bancs, il y a des papiers partout. Ici, là, regardez les papiers gras, des paquets de cigarettes. Et il n'est pas vieux celui-là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je fais une petite pause ici sur le banc. Il reste deux bancs, mais il n'y a plus de table. Décidément, l'homme est trop con. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Bon, il se fait soif, les mecs, ça fait quand même un bout de temps que je marche là. Malheureux des beaux coins comme ça, qui ont été aménagés d'ailleurs par les marcheurs, et que des petits connards, des petits branleurs foutent en l'air. Faudrait pas que je tombe dessus, moi je te le dis. Vous entendez la corneille qui gueule là? Regardez-moi ça comme c'est beau là-bas au fond. Là je suis sur un petit bout de... C'est pas... Si, c'est une route forestière. C'est encore un truc de chasseur, ça je suppose. Et puis du bois sur le côté. Ça fait déjà un moment qu'il est là lui. Voilà, encore une découverte, je connais pas par là. On verra bien. Ah, j'ai une belle petite vue sur un bout de ce mois. Sur les collines en face. Sympa. Et comme je suis haut, alors même si c'est pas un point de vue, je suis quand même haut dans le bois. Et là, j'ai cette vue plongeante qui est magnifique. Quel spectacle, franchement. À partir d'ici, le chemin reprend ses droits sur la route forestière. Là. On voit que l'herbe repousse au milieu. Là. Et c'est tant mieux. Et voilà, un tout petit chemin, un tout petit sentier. J'entends de l'eau qui coule quelque part.
Et ben la voilà, cette belle source. Malgré la chaleur, elle est là. Et ben voilà, hein, je vais pas tarder en arrivant ici à me retrouver près de la Gire. Donc la Gire, c'est 390 mètres. Et ben, la boucle, tu parles d'une boucle toi, elle est pratiquement bouclée. Donc j'arrive en vue du poteau de la Gire. Il y a encore un petit bout de chemin. Hein. Certains petits ruisseaux coulent encore. Hein. C'est pas abondant, mais c'est chouette.